Eh bien, salut les amis, c'est Oxy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Skyblock très particulière, puisqu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons devoir essayer de survivre sur un Skyblock entièrement fait de diamants, d'émeraudes et d'or. Vous allez voir ça dans un instant. En tout cas, avant que cette vidéo commence, je vous invite comme d'habitude à faire péter cette barre de like, à commenter et à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et mesdames et messieurs, regardez-moi ce grand délire, c'est n'importe quoi. On se retrouve sur un skyblock, regardez, cet arbre est fait d'or et d'émeraude, et ce sol est entièrement fait de blocs de diamants. C'est un truc de fou, d'ailleurs on peut voir que là-bas on a du fer pour aller récupérer un petit peu de ce diamant, ça va être plutôt cool. Et nous avons un coffre avec de quoi survivre à l'intérieur, on a une pousse d'arbre, un petit peu de terre, de la canne à sucre, un petit peu de melon, des sites de melon hein, d'ailleurs, de quoi survivre dans ce début d'aventure qui va s'annoncer vraiment totalement épique. De quoi faire un générateur de lave, ça va vraiment nous servir. D'ailleurs, je pense qu'on va pas commencer par faire ça, hein, parce qu'il va falloir qu'on commence par planter un arbre. Voilà, hein, je pense très clairement qu'on va faire une structure, voilà, ici. J'ai pas beaucoup de terre, malheureusement, mais je vais faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire que je vais faire une plateforme comme ça, voilà, et ici, voilà, on va agrandir aussi un petit peu. Ok, très bien, comme ça. Voilà, je ne gaspille rien et j'ai de la bonne, ça tombe bien. Comme ça au moins on va pouvoir faire pousser cet arbre assez rapidement. Voilà, allez, pousse mon petit. Yes, c'est bon, on a du bois. Très bien. Mesdames et messieurs, nous allons pouvoir commencer cette aventure dans de bonnes conditions. C'est nickel. Bon bah du coup, on a toujours l'esprit diamant, mais on en a un petit peu moins, malheureusement. Mais bon, c'est pas bien grave. Là, le but, ça va être de faire du coup une pioche et de créer, mesdames et messieurs, le générateur de cobble. Alors, le générateur de cobble, on va être obligé, encore une fois, de gaspiller de la dirt, malheureusement. Mais on va pas avoir le choix si on veut faire ce dont on a besoin. Donc, du coup, hop, hop, voilà, on va commencer par faire ici, voilà, un atelier et se faire la pioche en bois tant désirée. Voilà, ok, très bien. Bon, du coup, je vais devoir reprendre ma terre et commencer mon petit générateur. Donc, ce que je pense, c'est que je vais mettre la lave à gauche et l'eau à droite. Comme ça, au moins, ça va être beaucoup plus pratique. Donc, du coup, pour ce faire, je vais amener ça comme ça. Voilà, très bien. Donc, l'eau va venir de là. Et nous, du coup, on va venir récupérer ça ici. Donc là, c'est l'endroit où ça va rentrer en contact avec la lave. Et la lave va venir tout simplement de cet endroit. Tac, 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 voilà. Et l'eau, du coup, il faut la faire, quoi. Il faut protéger l'endroit. Tac, on va récupérer le maximum de terre qu'on peut récupérer. Et bah, tu sais quoi, je préfère placer un petit bout de dirt. Voilà, très bien. Et ici, comme ça, là, on est plutôt pas mal. Donc, l'eau va venir jusque là, si je me trompe pas. Ah, mais oui, mais non. L'eau, en fait, faut qu'elle vienne là et que je fasse un trou ici. Et oui, et oui. Ah non, j'ai gaspillé de la terre. Ok, je vais essayer, je vais essayer. Tu sais quoi, au moins, on va mettre de la terre ici, voilà, et ici. Et normalement, si je casse ça... Ouais, non, voilà, ça va prendre tout. Très bien, donc ça veut dire... Eh bien, remarque, à la limite, Attends, je vais prendre ma lave, je vais la poser genre ici, voilà. Tiens, d'ailleurs, c'est bon, j'ai des graines, j'ai des pousses d'arbres, hop, voilà. Et si je fais, du coup, un trou... Alors, si je peux récupérer la terre, ça serait cool. Eh ben, c'est dommage. Si je fais un trou là... Ok, ben voilà, parfait. C'est bon, on a notre générateur à cobble, du coup, qui vient d'être créé. Ok, et moi, j'ai juste à me mettre là. Normalement, si je récupère ma lave et que je la mets ici, et ben voilà, c'est bon, on a notre générateur de cobble. Mesdames et messieurs, le problème est réglé. Et en plus, si on tombe, du coup, maintenant, on a de l'eau. Donc, c'est plutôt pratique, on est en quelque sorte protégé. Bon, du coup, hop, voilà, je vais remettre un arbre ici à pousser. Et maintenant, ça va être l'heure de récupérer 3 de cobble pour se faire, du coup, la pioche en pierre. Hein, parce que là, on va pas rester avec une pioche en bois pendant 50 ans, sinon ça va être très très long. Voilà, nickel. Du coup, maintenant, je vais prendre, hop, tac, comme ça, et là, de la pierre. Voilà, ça, c'est nickel. Là, on a tout ce qu'il nous faut. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'on a qu'une seule source d'eau, en fait. On n'a qu'une seule source d'eau. Ça, c'est un petit peu dommage. Parce que du coup, pour faire des cultures, ça va rapidement devenir compliqué. Je sais pas comment on va pouvoir faire. Ce que je peux faire, à la limite, c'est que là, du coup, ça va me faire 4. Et là-bas, 4. Ouais, on va pouvoir récupérer un petit peu, mais ça va être ultra compliqué, ça va être ultra chaud. Ouais, ça va être très très chaud, hein, n'empêche de faire les cultures, là. Il va falloir que je m'arrange pour aménager ça. Bon, de toute façon, là, il faut que j'utilise de la cobble, déjà, dans un premier temps. Déjà, bon, bah, du coup, je pense que je vais planter une melon seed. Il faut un outil. Il faut un outil pour faire ça. Ah, dommage. Allez, donne-moi un peu de cobble. Voilà, ok, très bien. Là, je vais pouvoir faire mon outil. Tac, on va utiliser encore du bois. Voilà, très bien. Et là, comme ça. Ok, comme ça, au moins, on va pouvoir planter ici, mesdames et messieurs, un petit peu de pastèque. Et je vais la faire pousser direct. Voilà, très bien. Comme ça, au moins, elle va nous donner un petit peu de fruits. Alors, j'espère que tu vas aller dans ce sens-là. Même si j'ai l'impression que tu vas aller ici. Je vais pas pouvoir... Du coup, je vais récupérer de la cobble. Voilà.
Et comme ça, on va pouvoir se faire un autre passage. Ok, je récupère. Voilà, si je pouvais en récupérer 6, ça serait nickel. Voilà, 5 et 6. Ok, parfait. Donc là, maintenant, on va faire tac, des slabs. Nickel. Et venir, du coup, à cet endroit. Voilà, placer ça comme ça. Et là, ici, tac. Voilà. Comme ça, au moins, je peux venir ici, tac, et là, voilà, comme ça, on va faire pareil de l'autre côté, tac, et là, voilà, ok, comme ça, ici, je peux remettre un peu de terre et venir récupérer ma cobble depuis cet endroit-là, et au moins, le melon va pouvoir pousser. Voilà, là au moins je pense qu'on tient quelque chose de plutôt pas mal. C'est pas le truc le plus opti du monde, mais je vais pas avoir le choix de faire ça comme ça. Remarque, eh non, c'est peut-être même carrément plus opti, je sais pas trop. Je sais pas trop, mais au moins ça va fonctionner. Ça va être ce qu'on a de mieux, ça va être vraiment ce qu'on a de mieux. Là faut que je récupère un max de cobble et j'aimerais bien aller récupérer le fer qui est là-bas. Comme ça au moins on va pouvoir récupérer du diamant et se faire déjà un stuff en diams. Ça va être plutôt cool, et bah l'arbre a poussé. Alors ça aussi c'est une très bonne nouvelle. Je vais me faire une hache, en pierre, voilà, très bien. Et d'ailleurs, je vais remettre ça ici. Voilà, très bien. Ok, du coup, on va récupérer ici. Voilà, ok. Maintenant, t'as plus qu'à nous faire des petites pousses, mon pote. Et ça va être nickel. Allez, on récupère la cobble. Ah, ou pas. Ou pas. On récupère peut-être pas la cobble, finalement. Allez, vas-y, donne-moi tout ça, mon petit pote à la compote, là. Voilà, nickel. Ok. Ok. Allez, donne-moi la... non, toujours pas la cobble. Ah, là, un petit peu de cobble. Ça fait plaisir. C'est nickel. Voilà, ah oh, ça commence à me donner des sticks là-bas. Ok, ça c'est très très cool. C'est très très cool. Alors ce que je me dis c'est que j'aurais pas besoin de four par contre. Ah bah si, j'en aurais besoin pour le faire. D'ailleurs je peux déjà préparer le four. Voilà, très bien. Four qu'on va mettre à cet endroit là. Et je peux commencer à faire ma route pour aller... Je vais prendre des slabs. Je vais faire des slabs. Voilà, on va en faire un max. Voilà, max de slabs. On en a 30, c'est parfait. Voilà, comme ça au moins je vais pouvoir faire mon passage tout autour de ça. Voilà, très bien. Comme ça au moins je suis pas bloqué. Hop, voilà. Et là, on a de nouveau des pousses, donc je vais pouvoir replanter un arbre à cet endroit-là, récupérer les sticks, ça va me servir aussi, et du coup, venir faire mon chemin, tout simplement, à cet endroit. Voilà. Bon, bah là, ça va me demander un petit peu de ressources, mais au moins, je vais aller chercher ce fer qui va beaucoup me servir. Je vais en avoir extrêmement besoin par la suite. Bon, j'aurais pas dû faire autant de slabs pour avancer jusque là-bas, mais bon, c'est pas grave. Au moins, c'est même un chemin qu'on va pouvoir récupérer. Ouais, on va pouvoir le récupérer une fois qu'on aura récupéré le fer. On pourra pas récupérer tout le chemin. Ah, là, je viens d'en gaspiller. On pourra pas récupérer tout le chemin, mais on pourra en récupérer une bonne partie. Ça, ça va être très très cool. Ok, très bien. Et puis au moins, c'est un chemin qui est smooth, quoi. Il n'y a pas besoin de sauter et tout. Ouais, non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors, par contre, je sais pas. Melon, là. Le melon, là, il faut que tu me spawnes un melon. Voilà, hein, au bout d'un moment, je vais en avoir besoin. Allez, donne-moi la cobble. Ça aussi, j'en ai besoin, la cobble. Il m'en faut plein, 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 plein. Plein de cobble. Ça va être vraiment cool, tout ça, là. Ah, ça, c'est dommage. Ah, ça aussi. Allez, j'ai vraiment envie d'aller chercher le fer. J'espère que je vais avoir assez de cobble et que je vais pas être obligé de me recrafter une pioche en pierre en attendant. Genre, si elle casse bientôt ou quoi, je sais pas trop. Voilà, là, on en a déjà pas mal. Tac, ok. Alors, donc, du coup, tac, on va refaire quelques slabs, je vais pas avoir le choix. Et là, ok. Allez, let's go, ici. Et maintenant, on va placer direct... Ah, je suis décalé. Ok, c'est pas grave. Tac, tac. Voilà, au moins, ça va être plus simple. Voilà, allez, on y va direct... Tac, là ça va me faire un max de chemin. Tac, oh j'y suis presque. Oh j'y suis presque, on va la récupérer cette fois. Le fer, on va l'avoir. Et on va pouvoir récupérer le diamant qu'il y a au sol ici. Et se mettre vraiment trop bien. Ah, ça c'est dommage, on a perdu un petit peu de cobble. C'est pas très très opti, hein, encore une fois. Je l'optimise, oui, commence à faire nuit. Commence à faire nuit, bon bah pour l'instant je vais le laisser comme ça qu'il dépasse. J'accepte de perdre un petit peu de cobble. Mais je vais me refaire 6 slabs. Et voilà, ok. Donc là, j'ai pas besoin beaucoup de cobble, à vrai dire. De fer, je veux dire, il m'en faut juste 3 dans un premier temps. Ok, on y est. On y est, les gars. Alors là, les premiers blocs, je vais les récupérer. Voilà, ici. Voilà, ah bah je vais peut-être tout pouvoir récupérer, finalement. Ok, ici. Allez, viens, viens, saute sur moi. Ok, parfait. Et là, du coup, celui-là, j'ai pas envie de le perdre, donc je vais le garder comme ça. Et après, je viendrai mettre en dessous ce dont j'ai besoin. Bon, là... Ça, c'est parfait. Alors, toi, là, vraiment, tu me rends perplexe, là. Pourquoi tu me donnes pas ce dont j'ai besoin? Est-ce que tu veux que je te décale, peut-être? Je vais peut-être pas avoir le choix, hein, de le décaler. Ouais, allez, on va le décaler. Voilà. Ah, mais il m'a donné deux seeds. Ok, voilà, on va le décaler. De toute façon, il va être alimenté pareil. Voilà. Ok, du coup, j'ai du fer. Je vais pouvoir faire fondre. Voilà.
On va utiliser des petites bûches. Et là, une fois qu'on aura 3 fers de fondu, on pourra récupérer le diamant. Et là, on va être trop, trop bien. Bon, en attendant, je vais continuer d'utiliser ma pioche en pierre. On va optimiser les ressources au maximum. Voilà. Allez, donne-moi tout ça. Nickel. Alors, c'est dommage que sur les skyblocks, la plupart du temps, on n'ait pas de charbon, malheureusement. Mais bon, c'est pas bien grave. Maintenant, je suis devenu un expert, par contre, du générateur de cobble. Le générateur de cobble de base, je sais le faire, il n'y a pas de souci. Ok, voilà, et on va pas faire fondre. Ah bah attends, je peux faire fondre quand même un petit peu, puisqu'il a été fondu. Voilà, et là, mesdames et messieurs, nous avons la pioche en fer. Et la pioche en fer, elle va nous permettre de récupérer quelques blocs de diamants. Voilà, on va juste en prendre, je pense que 3, c'est suffisant. Ça va nous faire combien, mesdames et messieurs? 27 diamants. Alors là, déjà, je me fais le full stuff. Voilà. Hop, hop, nickel. Et là, le pantalon avec les bottes. Ok, perfect, my friend. Nickel. Là, on est trop bien. Alors, je vais me faire l'épée. Voilà, parce que j'aime bien être pimp. Voilà, parfait. Là, on est trop, trop bien. Alors, je vais déposer ça. Voilà, j'en ai pas besoin. Alors, la hache, à la limite, je peux la garder. Voilà. Et le bois, voilà, j'en ai pas besoin non plus. On va garder tout ça. Et maintenant, j'ai plus qu'à récupérer un max de cobble. Alors, les gars, ce que je suis en train de me dire, c'est que nos champs, on va pouvoir les faire tout simplement en dessous de notre base. Alors, pour ça, il va me falloir du charbon, malheureusement. Donc, il va falloir que je fasse fondre du bois pour avoir du charcoal. Je vais en faire fondre un petit peu. Je pense par la suite là, pas tout de suite parce que pour l'instant j'en ai pas beaucoup, mais en tout cas on va pouvoir préparer ça, c'est à dire que je vais descendre ici, voilà, on va descendre tranquillou, voilà, on va faire venir ça là, je pense que là on est pas trop mal, et un petit peu plus, allez un petit peu plus, voilà, alors là il faut que je respire un petit peu, voilà, on va respirer, ok c'est bon, je respire tranquillou, et maintenant on va faire venir l'eau par là-bas, voilà, ok comme ça, là on va pouvoir générer, ah non c'est pas du bon côté, c'est pas là que je voulais mettre ça. Voilà, ok, la slab, elle a disparu. Bon, c'est pas grave, je vais le faire avec de la cobble. Voilà, comme ça, sur le plus de longueur possible. Voilà, ok, ça va venir jusqu'ici. Très bien. Et du coup... Ah, compliqué, je me fais pousser. Ok, voilà. Très bien. Tac, 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 ok. Comme ça, on va pouvoir venir faire des champs autour de ça par la suite. Allez, voilà. Récupérons ça, et voilà. Ok, je peux garder ça, à la limite. Ouais, je peux garder ça. Ok, très bien, maintenant j'aurai juste à prendre ma terre. En plus, je pourrais passer par là, là à chaque fois. Ça ne me dérange absolument pas. Je vais aller prendre ma terre, voilà. Prendre ça, alors je me dis que là, il va me falloir par contre... Bon, ok, je vais faire un petit peu de charcoal. Je vais en faire 2. Voilà, ce qui va être largement suffisant. Tac, lui, il va pousser tranquillou après par la suite. Et je vais aller placer ma terre. Du coup, dans un premier temps, je peux me mettre là. Ok, et on va mettre la terre là, sur les côtés. Et tac. Alors, c'est dommage, il va me manquer un terre, mais je pourrais récupérer ici par la suite. Et là, on est vraiment trop bien. Là, on va être vraiment trop bien. Là, c'est bon, j'ai mon charcoal. Je vais faire des petites torches. Voilà, je vais en faire seulement 4 pour le moment. Voilà, j'en ai pas besoin de plus. Et on va aller placer des piliers pour faire, du coup, de la lumière. Ces endroits-là, bah, pas besoin spécialement de piliers, en fait. Je peux me contenter de faire ça. Voilà, nickel. Et du coup, venir là, ici, pour faire les cultures dans un premier temps. Donc, on va venir chercher ce dont on a besoin, c'est-à-dire les 10 seeds là et les 5 melon seeds. Ok, très bien, on pourra même planter la canne à sucre par la suite. Bon, pour l'instant, j'en ai pas besoin, mais on viendra faire ça. Ok, et bah c'est bien pensé d'avoir fait ça. Là, en fait, on pourra même reboucher et faire tomber encore un petit peu. Alors, on va voir comment on va se débrouiller, mais c'est possible, voilà. Bon, du coup, on va mettre les melon seeds, on va mettre 1 sur 2 pour les melon seeds, parce que c'est toujours un petit peu galère. Voilà, et venir ici mettre le blé. Donc, le blé. Tac, et tac. Ok, maintenant j'ai plus qu'à faire des slabs, et on va être good. Ok, bon bah je pense que j'ai bien fait de faire ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vois pas comment on aurait pu faire ça mieux en fait. Voilà, hop, on va prendre 42 slabs, on va redescendre dans la source d'eau, et là on va venir faire le tour du coup de notre endroit de culture, tout simplement. Tac, voilà, on n'a pas le choix de tout entourer de cobble, malheureusement, j'ai envie de vous dire, parce que c'est pas très très beau la cobble, mais bon, on n'a pas le choix, on est en skyblock. Hop, et voilà. Ok, nickel. Là, c'est trop trop bien. Tout ça, ça va pousser tranquillement, mais sûrement. Mais ça va pousser. On va être vraiment très très lourd là, au niveau de ce qu'on va avoir. C'est très très cool. Là, on va pouvoir récupérer les diamants qui sont ici, du coup, et se permettre de se faire vraiment du stuff en diams. Ça va être vraiment trop trop cool. Bon, maintenant, par contre, il me faudrait de la nourriture. Là, absolument, il faut que vous poussiez, mes petits gars. J'ai besoin de vous. Et j'ai besoin que ça pousse. Alors, j'ai 2 graines d'arbres, mais lui, là, pousse toi aussi, là. J'ai besoin de vous tous, là. Il faut y mettre du vôtre. Il faut tous y mettre du vôtre.
Vraiment, j'ai hâte de récupérer la terre qui est ici. Il va me manquer un petit peu de cobble. Je peux déjà en récupérer un peu, en fait, à vrai dire. Voilà, très bien. J'ai pu récupérer un de terre. C'est déjà ça de prix. Bon, bah, du coup, il va falloir que je farme la cobble, hein, de toute façon. Comme d'habitude, et que je récupère un petit peu toute ma terre là que j'ai placée. Comme ça, au moins, on va être vraiment mieux. Ma plateforme, je vais la faire passer entièrement sous la plateforme actuelle. Comme ça, je suis sûr de récupérer toute la terre. Ouais, on va faire ça. Ça va être vraiment beaucoup plus pratique. Du coup, je vais me servir des slabs et ça va être très très bien. Ouais, on va faire ça comme ça. Au moins, on est sûr de tout avoir. Alors, malheureusement, je pense que je vais perdre l'herbe verte. Mais bon, bah, c'est pas grave, hein, de toute façon. L'herbe verte va nous servir principalement pour les cultures. Allez, je vais me mettre à 20. Au moins, on va être bien. Voilà, 19. Et 20. Ok. Du coup, je vais refaire des slabs à balles. Ah bah tiens, ici j'ai pas rebouché. Je vais refaire des slabs. Voilà, il me faut un max de slabs. Déjà dans un premier temps. Tac. Voilà, on est à 57 slabs. Du coup, on va en profiter pour redescendre ici. Tac. Et venir entièrement sous cette structure. Faire du coup tout le tour, en fait. Voilà. Pour récupérer un max de ressources. Quand on les fera tomber. Ça va venir jusque là. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Tac. Et voilà. Jusque là, encore un peu, tac, et ben on va faire là comme ça, tac, tac, tac. Ok, maintenant faut que je rebouche ce trou ici, comme ça au moins on va pouvoir récupérer toute la terre et remplacer par de la cobble. Ok, là ça va être cool, là ça va être très très cool. Bon, maintenant il me faut des blocs de cobble pour remplacer tout ça sans prendre de risque. Et après, et ben, ça va être good, hein, on va récupérer toute notre terre et on va pouvoir agrandir nos cultures. Ça, ça va être très très lourd. Alors par contre là, ce qui m'inquiète, c'est que lui, il génère rien là. Génère quelque chose s'il te plaît, fais quelque chose pour moi, j'ai besoin. Tu me donnes un melon. Ok, bon bah du coup, écoutez les gars, c'est parti, j'ai 38 cobble, ça va être le moment du coup de récupérer notre terre. Bon, du coup, là, on va casser en premier, voilà, et j'ai récupéré la terre. Ah non, elle a brûlé, malheureusement. Ok, là aussi, voilà, très bien. Ici, on va mettre une slab, voilà. Tac, là je me prépare à mettre, ok, très bien. Ici aussi, tac, allez, il faut que je récupère tout. Ok, qu'est-ce que ça donne là de l'autre côté du coup? Que je vois. Ah ouais. Tac. Voilà, très bien. Ouais, c'est parfait, c'est ce que je voulais. C'est perfect, my friend. On a toujours notre lave. Ok. Bon, du coup, là aussi, il faut récupérer la terre. Voilà. Ok, bon, maintenant, on a enlevé les endroits compliqués. Enfin, à peu près. Voilà, là j'ai récupéré. Voilà. Ici. Ok, bon bah voilà, ça c'est parfait. Hop, j'aurais plus qu'à récupérer celle du dessus par la suite. Et là, ça, on va la récupérer assez facilement. Ouais, 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 ouais. Je vais juste agrandir là. Au moins, je suis sûr que ça va pas tomber dans le vide. Hop, et voilà. Ok, nickel. Maintenant, je vais pouvoir aller creuser depuis le dessus. Là, on a déjà récupéré 10 terres. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un très bon ratio. Hop, voilà. Ici. Voilà. Ici. Voilà. Bien. Là, là aussi. Voilà. Ici, on va récupérer la terre. Et voilà. Ok. Maintenant, je peux faire tout tomber. Il n'y a pas de souci. Tout va être good. Tout va être très très good même. Voilà. Parfait. Allez. Tac. Voilà. Tout ça. On va pouvoir agrandir nos champs du coup maintenant. C'est nickel. Ah, comment je suis trop refait. Ah ouais, punaise, vraiment toute la terre là qu'on récupère. Oh là là, on avait tout ça de gaspillé. Ok, nickel. Et là, je peux descendre par mon générateur à cobble, aka ascenseur. Et voilà. Ok, parfait. Donc du coup, maintenant, je vais pouvoir venir faire de nouveaux champs à cet endroit-là. Donc ça, c'est des slabs qu'on va peut-être pas récupérer entièrement, mais bon, c'est pas grave, c'est pas bien grave, c'est pas la mort. Voilà. Ok. Et déjà, on va venir placer la terre, on va voir tout ce qu'on peut mettre. Voilà, bien, ça. Tac, est-ce qu'il faut que j'en garde aussi? Je pense 4. Ouais, je vais en garder 4 pour, par la suite, venir faire des plantations d'arbres. Hein, les plantations d'arbres, on va en avoir besoin aussi. Vous connaissez, il va nous en falloir un max. Voilà, ok, bon, bah j'ai placé tout ce que j'avais. Parfait, tac. Donc là, ça va être la dernière ligne, je pense qu'on va faire. Et après, on va arrêter pour les cultures. On va devoir se limiter à ça pour tout notre jeu. Ouais, c'est déjà pas trop mal. Déjà pas trop mal du tout même, à vrai dire. Et je vais pouvoir planter les deux melons qu'il me reste.
Non, place. Ah mince, bon bah ça sera un seul. C'est pas grave. Et là ça pousse tranquillou pilou. Ok, nickel. Bon bah on va être bien pour la suite. C'est vraiment trop trop cool. En tout cas les amis, on va s'arrêter ici pour cet épisode de Diamond Skyblock. Si vous voulez une suite, eh bah dites-le moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de le faire. Si ça vous a plu, bien n'hésitez pas comme d'habitude à faire péter cette barre de like, à commenter, à partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr, me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube et ma chaîne secondaire. Tout s'affiche actuellement à l'écran et dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, et bien allez, salut à tous, c'était Oxy. Salut tout le monde!